à tous, bienvenue à Team Suzuki, toujours au taquet, hein, tout de suite le premier, toujours là, toujours présent. Bienvenue à Guillaume aujourd'hui qui est avec nous, bonjour. Bien, bonjour. Qui est un habitué mettant de la discussion du dojo, hein. C'est le... Bien sûr. C'est le VIP de la discussion du dojo. Avec, donc on aura peut-être un autre acolyte qui viendra un peu plus tard, on verra. On devait être plus nombreux, mais bon, après, c'est les agendas, toujours, c'est difficile à caler. Il hein. Y a les vies de famille, le boulot, voilà. C'est pas facile de tout se caler ensemble, mais il y aura des autres jours, on sera plus nombreux, j'espère bien. Bah écoute, ça va bien, Team Suzuki et toi? Comment vas-tu aujourd'hui? Bon, je vais en profiter pour sortir ma petite fenêtre magique, parce que maintenant, en fait, le dojo, on va commencer par un truc que j'oubliais toujours de faire à chaque fois. On va commencer par mon planning de la semaine, parce que c'est quand même important de le dire et de le montrer. Le petit planning de Twitch pour savoir ce que je vais faire cette semaine. Donc évidemment aujourd'hui, bon, bah, la discussion du dojo, je pense que c'est écrit assez gros. Hein. Demain, The Division 2, avec notre ami Team Suzuki d'ailleurs qui est présent. Hein. Il est déjà chaud, je suis sûr, pour jouer. Mercredi, on aura le début... de Final Fantasy VII, ça y est, je commence ce jeu que j'ai depuis une éternité sur mon meuble à côté de moi. Mais on en reparlera tout à l'heure de Final Fantasy VII. Mais du coup, il y aura deux sessions par semaine de Final Fantasy VII. Du coup, jeudi, on revient sur The Division. Vendredi, Final Fantasy, donc comme je disais la deuxième fois. Samedi, Zelda. Le samedi, ça va être... on va clôturer Zelda d'un quelques jours, donc on se rapproche de la fin tout doucement. Et ce week-end, eh ben, j'avais mis Mario Kart, voilà. Ça peut-être changer, mais ce sera un multi, quoi qu'il arrive. Le multi du dimanche, ça restera chaque semaine, voilà. D'ailleurs, tu l'as, toi, Guillaume, Mario Kart? Je me souviens jamais. Non, pas sur ma Switch, non. Ah, tu veux pas le prendre, non? Pour venir jouer avec nous, c'est bien Mario Kart. Pas trop tenté. Hein. Ah, t'aimes pas trop Mario Kart? Ouais, si, mais je verrais bien si je joue en magasin, peut-être. Oui, ou après, on pourra se faire des parties au pire de Fall Guys, hein, quand, si tu veux. Si oui. Tu aimes. Mais non, je crois que ça t'énerve, ça, non? Non, Fall Guys, non. Non, ça, bon, ça, c'est ça. C'était quoi qui t'énervait, tu m'as dit, une fois? Un truc de trahison, là, où t'as des... Ah oui, Among Us. Among Us. Ouais. Parce que je comprends, ça peut être énervant. Mais oui. J'aimerais bien réussir à en faire une session un jour, mais on va dire que techniquement, pour l'instant, je suis pas encore assez calé pour faire ça. Parce que ça demande quand même assez de... On va dire, de niveau de mon setup, là, ça demande un sacré merdier. Eh ben écoute, on va commencer par le premier sujet. On va passer rapidement en revue, en fait... tous les jeux qu'il y a eu jusque maintenant, pour lancer quand même un petit débat sympa, c'est au final, on se rapproche du GOTY, quoi, c'est au mois de décembre. Et ouais, mine de rien, ça va vite. Hein. Et du coup, bah, y a les prétendants qui sont là. Alors bon, moi après j'ai ma petite idée, je pense pas me tromper, hein, à 80%, allez, 90% je suis sûr de ce que ça va être. Parce que là, on va regrouper, hein, parce que si on parle de tous les jeux, on en a pour deux heures. Mais on va dire que les jeux les plus importants là qui sont sortis récemment, qui ont marqué le plus, bon évidemment, moi je vais mettre Zelda tout de suite, hein. Je pense que ma nouvelle casquette vous le démontre que j'aime bien cette licence. T'as vu un peu? Enfin, oui, parce que c'est vrai que j'ai pas présenté. Ça, officiel, hein, mec. Hein. Attention, hein. Ça c'est du métal et tout, là, c'est trop joli. Ah ouais, elle brille. Enfin, ça se voit pas bien parce que je suis tout petit. Mais, mais c'est une officielle, hein. Et ouais, j'aime bien. Bah, tu vois, ce sera ma casquette à vie. Maintenant, je ne changerai plus de casquette. Voilà. Du coup, nous nous égarons. Oui, donc Zelda, évidemment. Il faut pas oublier quand même notre ami Hogwarts Legacy. Là, tu vois, j'ai mis quelques jeux qui ont quand même marqué. Je trouvais que c'est notre ami Gamerungs qui a fait un petit top 10 des jeux qui ont marqué le plus cette année.
Alors le jeu qui passe là, je sais pas du tout ce que c'est. Et ben justement, moi j'ai regardé un petit peu parce que moi non plus j'en avais pas entendu parler. Il est très très beau. Je sais pas si ce que t'en penses, mais graphiquement il est super beau. Ouais, j'aime bien ce style-là, mais j'en ai jamais entendu parler. Bah ouais, mais apparemment ça a bien marché, hein. Ça a bien marché pour ce petit Ok. jeu. Et du coup, évidemment, donc Hogwarts Legacy, faut pas l'oublier, comme je disais, février de l'année dernière déjà. Et enfin de l'année dernière, de cette année, pardon, vous savez qu'on est bientôt à la fin. Alors voilà, après, ça va se jouer entre lui. Bon, Final Fantasy, je sais pas. Moi, je pense pas qu'il accède au GOTY, tu vois. Le GOTY, il y a plusieurs catégories ou c'est qu'une seule catégorie du Bah, coup? alors, t'as plusieurs catégories, hein, donc c'est sûr qu'il aura très certainement la meilleure musique. Oui, voilà, c'est ça. Ça, les musiques de Final Fantasy, c'est une tuerie. Enfin, franchement. Mais pour vraiment le jeu de l'année, tu vois, le prix le Oui. plus important. Je pense pas qu'il fasse l'unanimité. Je pense pas non plus. Pour moi, il Ou y il a retourne. plus. Pareil, Diablo, pour moi, c'est beaucoup trop niche. Diablo, je le mets de côté. Parce que c'est quand même assez niche comme style de jeu, tu vois. Même si Ouais. là, il a pété les scores hein, aussi, hein, Diablo. Mais pour moi, c'est beaucoup trop niche. C'est pas assez, comment dire, accessible à tout le monde, tu vois. Pour moi, un GOTY, c'est un jeu qui doit être accessible à tout le monde. Tu prends un God of War, qu'est-ce qu'il y avait eu Zelda. C'est des jeux accessibles, tu vois. C'est pas des jeux un peu trop dans un style particulier. Souvent, t'as du Ouais, monde je vois ça. ouvert, t'as de la. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. C'est des. Ouais, des jeux accessibles à tout le monde. Je pense que ils se basent un peu sur ça pour faire leur top. Leur meilleur jeu de l'année, là. Du coup, moi, je miserais sur un. Il y a un gros jeu récemment qui a quand même bien marché, c'est Baldur's Gate 3. J'ai failli dire 2. Je sais pas si tu t'as vu passer le jeu, mais il a quand même bien marqué aussi. Et bien marché, et de bonnes notes. Alors pour moi, c'est le seul concurrent vraiment direct parce que un Starfield. À la limite, Starfield, allez. Pour moi, ça va être les trois jeux, tu vois. Baldur's Gate 3, Starfield et Zelda. Pour moi, c'est les trois jeux qui vont se disputer les prix, quoi. Qu'est-ce Et que. Jedi, non, pas là. Toi, tu penses pas qu'il va rentrer? Au pire, il aura peut-être meilleure direction artistique ou un truc dans le genre. Quoique, Hogwarts Legacy est quand même bien, bien foutu, hein. Faut pas l'oublier, hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois, là, ça fait un moment que j'y pense, ça fait déjà plusieurs mois que j'essaye de faire le tri dans ces jeux. Et oui, Hogwarts Legacy a quand même bien marqué quand il est sorti, hein. Avec ses ventes, ça a été très populaire, mais pendant très peu de temps, en fait. Tu vois, ça a duré 2 mois. Ça a duré 2 mois, après on l'a oublié, quoi. Tu vois? C'est dur à choisir, hein. Bah. Après, je vais encore prêcher mon jeu, mais tu vas juste voir sur Twitch en fait les jeux, les différents jeux, combien de monde regarde les jeux. Il y a tout, Zelda est toujours en bonne moyenne. Hein. Bah après, c'est quand même un jeu où, bah comme tu as dit, c'est accessible à tout le monde et ça touche plus de monde du coup. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc tu vois, moi pour moi, bon de toute façon j'ai jamais changé d'avis jusque maintenant, hein, mais je pense que ce sera Zelda. Vous l'entendez maintenant, c'est enregistré, hein. Je le repasserai hein, si c'est ça, mais à mes yeux ce sera Zelda. Voilà. Et ça, c'est en décembre, c'est ça? Ouais. Alors si tu veux, je peux te retrouver la date hein, exactement. Hein. Attends, ouais. Hop là, petite recherche en direct, sans filet. Je crois que c'est. Alors attends. GOTY cérémonie, ce sera le Du coup, il GOTY, se le base sur GOTY, les le GOTY. meilleures notes que les jeux ont eues. Alors, je pense que les notes entrent en jeu pour faire le tri, tu vois. Mais Et après, c'est quoi? C'est un jury? Comment ça se passe? ah, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. 8 ou 9.
Alors attends, ça c'était celui de l'année dernière. Ouais, donc tu vois, ça va être début décembre. Ok. Je pense la première. L'année dernière, c'est quoi? C'est. C'était 7-8, donc ça va être à peu près pareil, je crois. Le 7 ou le 8. C'est God of War qui avait gagné, ça? L'année dernière, c'était God of War. Ah, le 2. Je sais pas. Je demande. Si tu sais, moi. J'ai plus en tête pour te dire, ça m'avait pas trop marqué ce qu'il y avait eu l'année dernière. Mais okay. moi je mémorise que Zelda, évidemment, en 2017. Toi, tu fais Zelda, hein. Voilà. Non mais enfin bon, je pousse un peu le truc, mais il me semble que c'est lui. Attends que tu me le dis. Bon, on jettera un œil après. Elden Ring, tu sais quoi, là, l'année dernière. Ah oui, évidemment. On l'avait oublié celui-là. Un qu'on a oublié aussi, hein, malgré tout, ouais, il est vite tombé. Ah, regarde ça par contre. Il faut vraiment que je le fasse, le 2. T'as jamais joué, toi, Octopath Traveler? Alors, je déteste les jeux comme ça. Ah, t'aimes pas? Les okay. jeux. J'ai oublié le nom que ça, qu'on donne à ce point de vue et à ce style de jeu, mais non, je le déteste. Oui, en 2D, 3D, là. Ouais, non, je suis pas fan. Ah oui, d'accord, ok. Là, il y en a un que j'aime bien, c'est Prison et Escapiste, qui est un peu pareil, mais. C'est du multi, je sais pas si tu connais. Ah, tu dois t'échapper d'une prison, c'est en multijoueur, ouais. C'est ça? Oui, j'ai ouais, vu passer. Ça. Ils en ont fait deux d'ailleurs, cool, non? Il y a eu deux jeux, je crois. Ouais. Je l'ai pas vu encore, passer. Je trouve ça cool. Ok. Mais moi, tu vois, enfin, c'est Square Enix d'ailleurs, hein, encore une fois, hein, qui est derrière à la production, je crois. Par contre, ils font toujours des décors de fou. Hein. Oh, derrière, c'est hallucinant. C'est magnifique. Même les combats, tu vois. Les combats sont magnifiques. Bah, ils adorent tout ce qui est fluorescent, coloré, oui, comme bah, d'habitude, ça. Quoi. Square Enix. Ça donne un peu de gaieté au jeu. Oui, exactement, oui, tout à fait. Eh bah, ben écoute, pour toi alors, vas-y, dis-nous, toi, tu penses que ce sera quel jeu alors? En conclusion. Ah, ça sera pas mon avis personnel, mais ouais, je pense que c'est Zelda. Hein. Tu penses à Zelda aussi? Ouais, je pense. Hein. Le nombre de ventes et. Je pense que c'est lui qui a fait plus de bruit. Hein. On a dépassé les 20 millions quand même. 20 millions de ventes? Dans le monde. Hein. Ouais, dans le monde, bien sûr. Oui, oui. Okay. Mais bon, c'est quand même conséquent, quoi. Oui, le jeu s'est vendu en 10 millions d'exemplaires en une semaine. Je crois qu'il n'y a que Hogwarts Legacy qui avait réussi à faire ça, tu vois, à l'époque quand c'est oui, sorti. Oui, c'est vrai. Et bon, Hogwarts Legacy, voilà, comme on disait, il a pas suffisamment marqué. Et pour moi, le problème d'Hogwarts Legacy, ce sera toujours la même chose. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de DLC, il n'y a pas de suivi. Donc tu as fait le jeu, tu te dis, écoute, voilà, j'ai fini. Next. Je vais jouer à autre chose. Il n'y a rien d'autre, tu vois. Il n'y a rien d'autre qui est proposé. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur qu'ils ont fait, tu vois. Ils auraient proposé... Vas-y. Là, le seul truc qu'ils voulaient faire, c'était... un nouveau jeu là sur le Quidditch. Le Quidditch, il va arriver très rapidement, le jeu du Quidditch, tu vois. Ouais, mais tu vois, ils auraient pu faire une extension ou je sais pas, mais pas refaire un jeu. Après, du peu d'infos que je peux dire dessus, ça va vraiment être un jeu service. Quoi. Tu vois. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Franchement, on verra. On verra, hein. Il peut y avoir des surprises quand même. Il peut y avoir des surprises là-dessus. Mais il n'y a pas que celui-là hein, qui sortira sur Harry Potter. Enfin, sur l'univers d'Harry Potter, vous verrez. Ah ouais? Mais c'est pareil, ça je vous en parlerai dès que je pourrai. C'est noté. C'est pas la suite de Hogwarts Legacy, hein, vous enflammez pas. Hein. Ça a été annoncé, alors oui, j'ai vu récemment qu'il parlait justement de faire la suite de Hogwarts Legacy. Une suite? Officiellement, ouais. Alors comment, je ne sais pas, mais ils en parlaient vraiment là ces temps. Le studio à Avalanche là, qui a fait le premier. Ok. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu lents à réagir à tout, en fait, tu vois, ces gens. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des problèmes de communication chez eux. Mais... pour moi, déjà, comme je t'ai dit, la grosse erreur de pas mettre de DLC dans un jeu comme ça, c'est une grosse oui, erreur. C'est sûr. Enfin, avec un tel contenu. Je sais pas, quoi. Ouais, non. Ils ont un peu abusé quand même sur ça. Bah ouais, surtout qu'ils ont fait faut dire ce qui est, par contre graphiquement c'est très très beau, ils ont fait un super boulot. Le seul oui. reproche c'est que le monde ouvert, qui est très beau aussi, n'est pas assez vivant, tu vois. Ouais, c'est assez vide. Voilà, au bout d'un moment t'as fait le tour, au début t'es content de faire le tour et puis après
Tu te dis bon bah bon, voilà. Le truc que j'ai pas aimé, c'était surtout la barre des sorts. Leur système, j'ai pas kiffé du tout. Ouais, non mais c'est dommage parce que il y avait vraiment du potentiel, hein. Franchement. Rajouter des morceaux de map, tu vois, t'avais plein de trucs que tu peux faire avec ce, ce style de jeu là. Mais bon, on peut pas leur, leur reprocher. Bonsoir Monsieur Zaelkira. Est-ce que vous voulez rejoindre le chat avec nous ou est-ce que vous streamez sur votre chaîne du Valorant? Car Zaelkira stream du Valorant, je fais un peu de pub, encore une fois. Les gars. Ah, après, si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Hein. On est en train de décider en fait entre nous parce qu'on en a marre d'attendre la cérémonie. Donc ce soir, on décide du GOTY, comme ça, c'est réglé, tu vois. Pas besoin d'attendre décembre. Je vais envoyer un courrier aux Game Awards là-bas, je vais leur dire non mais les gars c'est bon, pas besoin, on a choisi. Après je regarde Ah merde, un petit souci sur le PC. Bon, tant qu'il fume pas c'est bon hein. Ça fume pas hein, rassure-nous. Ouais bah hésite pas, de toute façon t'as le Discord, hein, y a pas de souci. Oui, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire, Guillaume? Excuse-moi. Ah oui, je disais, je regardais du coup, vite fait, l'article sur Starfield. Il y a quand même eu, avant que le jeu sorte, en accès anticipé, il y avait 2 millions de joueurs déjà. Ah oui, bah ça, c'est le Bethesda, ils ont du monde derrière. Hein. Et ça a dépassé le million de joueurs simultanément. Oui, non, mais après, tu vois, je pense qu'il marquera, mais est-ce que c'est une prouesse technique? De ce que j'en ai vu, non. C'est beau, il y a quand même encore pas mal de bugs. Bon, c'est un jeu Bethesda, on a l'habitude hein, avec Bethesda. Mais est-ce que, tu vois, alors que, je reviens encore sur le même, mais Zelda, graphiquement, il a quand même repoussé les limites de la Switch. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, on s'est dit, putain, la distance d'affichage, machin. Là, bon, Starfield, tu le vois tourner, c'est propre, c'est beau, hein. Mais il y a plein de jeux qui tournent comme lui actuellement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas renversant, quoi. C'est vrai que c'est quand même un jeu Switch. Ça, faut le souligner quand même. Zelda ? Ouais. Ah, bah oui, oui. Et alors, une console de 2017. Faut pas oublier, quoi. Portable aussi. Hein. Portable, exactement. Ça. C'est le SUV des consoles, hein, entre les deux. Moitié console, moitié portable. Enfin, moitié console de salon, moitié portable. Bah, d'ailleurs, ça, on va reparler de la Switch après, hein, par la suite. Ah bah tiens donc, bah, c'est même pas par la suite, c'est même tout de suite après. Mais d'abord, moi, je voulais parler d'un truc, et après, tu vas me donner ton avis, hein, parce que je sais que tu l'as pas, enfin, t'as pas vu toutes les annonces dessus. On va parler du Nintendo Direct. Okay. Parce que moi, il y a quelque chose dont je voulais te parler, et tu verras que même si tu l'as pas vu, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas comprendre pourquoi. Il y a quelque chose, moi, qui m'a fait tilter en fait en regardant ce Nintendo Direct. C'est que. Ah, mais merde! Ah non, ils avaient désactivé la rediff. En fait, il y a eu beaucoup de jeux Mario dedans. Suite, ouais, bien sûr, au film, voilà, tu sais, bon, le film a cartonné, donc ils mettent beaucoup Mario en avant. T'as Mario RPG, t'as le jeu avec la princesse Peach, on a Wonder qui arrive bientôt. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a... En regardant tous ces jeux, il y a des jeux de qualité, hein, je vais t'en montrer un que je trouve incroyable, que tu vas pas aimer parce que t'aimes pas ce style, on en a parlé tout à l'heure. Mais... t'as l'impression que c'est un peu les fonds de tiroir là. Excuse-moi, ça va, Matt le clic. Je suis lancé là sur Nintendo, donc après je suis un peu dur à arrêter. Comment vas-tu? Et Zaelkira, oui, nous allons bien, nous allons bien. On parle de choses qu'on aime, donc ça va bien. Oui. Et comment vas-tu, Matt le clic? N'hésite pas hein, un peu à discuter avec nous hein, du sujet. Ah bah tiens, ça monte Pokémon justement. Sujet douloureux. Ils l'ont montré ça, c'est ça? Ouais, ça, c'est ce qui a été montré ça. C'est ça, c'est le Nintendo Direct en fait. Okay. Mais tu vois, moi, ce qui m'a semblé en fait un peu étrange, c'est qu'il y avait un peu des fonds de tiroir, j'ai trouvé ça un peu. Putain, c'est censé te présenter les trucs de fin d'année, tu vois. Et il n'y avait pas grand chose.
Et le truc qui m'a fait tilter, c'est que là, on va avoir la dernière vague de Mario Kart. C'est le DLC, là. Ok. Donc, pour parler du sujet dont on parlera après, pour moi, ça annonce très clairement un changement de console, ce qu'on vient de voir, tu vois. Pour moi, là, c'est... allez, on pousse un peu ce qui reste, ce qui peut tourner sur la Switch classique, et l'année prochaine, on bombarde avec la nouvelle, et avec des nouveaux jeux, qu'on ne peut pas montrer, du coup, parce que là, ils sont prévus pour la nouvelle, tu vois. Ah, tu penses ? Moi, j'ai vraiment ressenti le truc comme ça. Tu penses que ça sera... Déjà, tu penses que les cartouches ne seront pas compatibles ? Alors, ce sera... C'est obligé que ce soit compatible. Enfin, c'est obligé. Je peux me tromper, hein. Encore une fois, hein, je travaille pas à Nintendo. Mais tu te passes pas de plus de 110 millions de joueurs de la Switch. Il y a eu plus de 110 millions de ventes de Switch. Ils peuvent pas se passer d'autant de monde, il me semble. Le successeur de la Switch arrive bientôt. Oui. Battle Click, tu vois, nous dit pareil. Pour moi... Je fais le pronostic, ça va être courant mars-avril 2024. La première est sortie quand ? Bah c'était à peu près cette date-là, hein. Parce qu'il y avait eu Zelda en même temps, qui était sorti. Ouais, c'était quelle année la Switch ? 2017. Et de mémoire, je crois que c'est mars ou avril, parce que Zelda était sorti en mars-avril. Et il était sorti pour la Switch, quoi. Il était même sorti sur Wii U aussi en même temps, tu vois. Breath of the Wild, bien sûr. Attention, pas TOTK, bien sûr. Mais moi, je l'ai fait d'abord sur Wii U, d'ailleurs, à l'époque. Et après, je l'ai refait sur Switch. C'était le jeu de lancement. Et le fait de voir que la dernière vague de Mario Kart arrive, là, tu vois. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi, dans la foulée, il te balancerait pas un nouveau Mario Kart sur la nouvelle console, tu vois, pour faire vraiment de taper fort, quoi. L'année prochaine. De toute façon, oui, c'est sûr. Voilà, tu vois, moi, j'ai tout de suite pensé à ça. J'ai vu, oh, dernière vague. Allez, tu vas voir qu'ils sont déjà en train de tout préparer là pour l'année prochaine, je suis sûr. Ah, mais moi, c'est clair, Matt Le Kick, moi, je vais la prendre direct. Hein. Déjà, d'une, la mienne, ma pauvre petite Switch, qui est 2017, qui est l'édition Mario Odyssey, ma Switch, eh ben, elle marche encore très, très bien. Très très bien. Ça, il faut quand même en parler parce que c'est une console portable 2017. Elle tourne encore parfaitement. J'ai jamais eu de soucis avec, hormis le Joy-Con, les Joy-Con qui déconnent bien sûr, mais bon, ça, on est beaucoup à avoir eu ce problème là, je pense. Donc, mais il faut quand même le reconnaître, c'est que comparé aux autres consoles, elle est quand même assez robuste comme console pour une console portable. Hein, je reprécise. Hein. Portable et de salon, je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah non, franchement, oui, c'est... Quand tu vois que... C'est top, hein. Bah oui, c'est clair. Après, alors... On va pas trop en parler maintenant de la console en elle-même, parce que c'est un sujet d'après. Mais... il faudra voir après ce qu'ils vont nous mettre en équipement dessus. Mais bon, ça, ce sera pour après. Pour après, on va en reparler tout de suite. De la OLED, hein. Ça va être le sujet compliqué. Ça va être le sujet compliqué d'après. Mais voilà, bon, Nintendo Direct, bien en soi. Moi, je vais vous montrer mon petit coup de cœur. Bon, évidemment, alors oui, moi, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler parce que j'ai fait... J'ai fait la bêta dessus et c'est un jeu très sympa. Bon, ça, c'est la version Switch qui tourne pas si mal au final. On est sur Switch, attention. Si vous avez des consoles, la Xbox Series ou la PS5, je vous conseille, ou PC, je vous conseille plus de tester dessus si vous l'avez. Après, franchement, pour de la Switch, ça va. Bon, tu vois que ça. Tu vois du clipping et puis. Et bah, voilà, ça va, c'est Switch, quoi. Oui, bien sûr. Mais on a une date ou pas du coup ? Hein ? Il y a une date à la fin ? Ah, tu verras. Je sais pas si la Switch est au même moment. Parce que moi, je vous réserve une petite surprise sur ce jeu, mais on en reparlera bien, très bientôt, très rapidement. Ce sera une surprise du moins. Donc je veux pas vous teaser le truc trop à l'avance. Mais là, ils disent hiver 2023, tu vois. Voilà. Ah, ok. Mais voilà, il y aura des news assez rapidement sur ce jeu. Donc Palia, moi, pour ma petite expérience de bêta fermée, j'ai bien aimé.
ça a vraiment du potentiel et ça peut être une alternative à du Animal Crossing, tu vois. Pour moi. Même si t'as plus un côté RPG, on va dire, qui est plus présent. Le fait de jouer avec les gens, je trouve ça génial. Donc franchement... Enfin, de toute façon, vous pourrez l'essayer, vous verrez. Hein. Et essayez-le, franchement, vous pouvez y aller. Il y aura une démo, hein, de toute façon, si elle n'est pas déjà disponible. Il y aura une démo, hein, si vous voulez tester, donc vous verrez. Oui, ça a l'air sympa. C'est très très bien. Mon Persona 5, voilà. Moi, j'ai le Persona 5 Royal que je vous recommande. Si vous aimez hein, le style, attention, regardez bien d'abord la bande-annonce du jeu. Hein, faut pas se lancer les yeux fermés. Mais j'ai adoré ce jeu. Persona 5 Royal, franchement, très très grand jeu pour moi. Après, faut aimer, c'est très japonais, c'est très comment expliquer ça. Voilà, on a des choses à faire tous les jours, etc. Tu vois, bon, regardez la bande annonce. Celui-là, c'est pas le même, alors je vous le montre pas parce que je trouve pas ça très intéressant. Pour moi, dans le plus intéressant, bon, alors Détective Pikachu, on en parlera, mais c'était horrible graphiquement. Je vous montre un petit extrait. Hein. Je vous montre un petit extrait. Voilà. Nous sommes en 2023. Voilà. Oh merde. Exactement, ouais. Voilà. Les jeux gratuits font mieux maintenant qu'aujourd'hui. Non mais grave, grave. Ah bon, non mais rien, non mais non, bon, on va arrêter de se faire mal aux yeux. Bon, Super Mario, évidemment, le poids lourd, Super Mario RPG, ça... Super Mario RPG. Ouais, 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 ils ont fait un, tu vois, voilà. Qui a l'air assez propre, mais moi ça m'intéresse pas spécialement cette vue, en fait, un peu à la Diablo, tu vois. C'est un peu bizarre, voilà. Ah, c'est du platformers, hein, Mario RPG. Donc tu vois, on a eu ça, et je sais pas s'ils ont enchaîné... Ah bah voilà, ils ont enchaîné avec le jeu Princess Peach, qui est très très beau. Alors attends, ça c'est... Luigi's Mansion 2 qui arrive en remaster. Eh oui, encore des remasters. Just Dance, excusez-moi, mais voilà. Alors Fae Farm aussi, qui est pas mal. Un bon petit jeu si vous aimez le craft, tout ça. Bah il y a pas mal de gens qui jouent actuellement à Fae Farm et c'est très, enfin moi c'est, je suis très client de ces jeux là donc voilà, ça c'est des jeux chronophages, voilà. Tu vois plus le temps passer quand tu joues à ces trucs là franchement, mais très très joli aussi hein. Moi j'aime beaucoup, tu vois, c'est, je l'avais déjà vu avant donc c'est pas une découverte pour moi. Hot Wheels, blablabla, et on s'en fout. Dragon Quest Monsters, qui peut être bien. Dragon Quest Monsters, qui peut être bien. Après, graphiquement, voilà. Dragon Quest, hein, bon, j'ai fait les Builders, et puis le dernier, c'était le 11, je crois. Dans le 10 ou le 11. Attends, mais... J'en ai joué sur... Ah, je sais plus si c'était PSP ou DS. À l'époque, c'est ouais. Le même graphique. Toujours pas de jeu Pokémon. Ah oui, oui. Bah après, on peut pas leur reprocher qu'ils ont leur patte graphique, tu sais, un peu dessin animé. C'est quand même propre quand tu regardes de près. C'est quand même, mais c'est leur patte graphique qui fait un peu spécial, tu vois. Mais celui que j'avais fait était déjà un peu comme ça, tu vois. Par contre, le côté monstre, le côté entre guillemets Pokémon là, de collecter les monstres et tout. Ça peut vraiment marcher, tu vois. Surtout que Dragon Quest est très très populaire, bon, au Japon entre autres, oui, mais ça, et dans le monde entier. Ça n'a pas changé de l'époque, ça. C'est-à-dire, ça n'a pas changé. Il y en a un qui jouait sur, comme je t'ai dit, sur DS ou PSP, c'était lequel ? Ah mais c'est. C'était peut-être un Dragon Quest Monsters de l'époque, mais je crois pas que ce soit un remaster, celui-là. C'est vraiment un nouveau jeu. Ouais, mais ça change pas. T'avais le truc de capture, t'avais les monstres. Il y a rien de nouveau là. Peut-être c'est, qu'il y a nouveau monstre, c'est, mais... c'est peut-être une suite. Hein. Regarde le Prince des Ombres. Bah tu regarderas, tu me rediras. Par contre, ça m'intéresse si. Parce que je crois pas que c'est un remaster. Pourtant, il me semblait pas. Matt Leclic nous dit pas de jeu Pokémon digne de la licence en 2023. J'ai mal au cœur. Bah oui. Eh oui. Oui, oui. Et je. Comme j'en parlais une fois, hein, moi, Pokémon, c'est.
Bah moi j'ai eu la version bleue en premier, donc je suis vraiment. Ça fait longtemps que j'y joue et j'ai eu l'argent. Après j'ai pas des masses joué aux autres là, Soleil, à machin, Ruby, tout ce qu'il y a eu après. Mais j'ai joué à toutes les versions Switch qui sont sorties, donc t'avais comment avec Evoli ou Pikachu, tu sais, enfin qui était pas mal, même si ça répétait encore la même chose. Ouais, let's go, voilà, let's go. J'ai la Switch, let's go Pikachu. Là. Voilà. Let's go, c'était bien parce qu'il te faisait quand même un petit portage, tu vois, sur qu'est-ce qui se passe là. Mon Nintendo voilà. Direct a sauté. Ou alors, enfin, tiens, on est à peu près par là. Ouais, on va se mettre par là, tiens. Et ouais, non, Pokémon. Comment on peut faire d'aussi mauvais jeux avec autant d'argent? Tu vois, parce que ça marche. Bah, on rappelle quand même, et j'en parle souvent, Pokémon, c'est la licence... tiens, je vais éteindre ça. C'est la licence la plus lucrative au monde, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. De jeux vidéo, enfin, de la marque en elle-même, c'est la plus lucrative au monde. Comment, avec autant de moyens, t'arrives à sortir des jeux aussi moches? Enfin, faut le dire, hein, à un moment... Alors après, c'est toujours, tu sais, on en parlait déjà l'autre fois, hein, on y revient souvent, mais ils ont toujours l'excuse de dire oui, mais vous comprenez, on n'est pas nombreux, mais attendez les gars, mais vous pouvez recruter des gens, vous avez l'argent pour, vous avez les moyens pour recruter, tu vois, enfin, c'est pas une excuse. Alors moi après, je vais peut-être me faire blacklister avec ça, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même près de leur sous là-bas, tu vois. Pokémon, c'est sûr. Je pense que c'est ça, parce que je vois pas d'autres raisons valables, franchement. Je vois pas d'autres raisons valables pour Pokémon, hein. À vouloir se lancer dans des mondes ouverts et faire des trucs comme ça. Ouais. Je pense. C'est vrai que là, comme Matt Leclé qui dit, ouais. Ça commence à faire du bruit là, sur les jeux Pokémon et tout. Donc, ce qui est triste, c'est qu'on en rigole, quoi. Tu vois? C'est que ouais. Là, ça fait un bêtisier, les personnages qui s'allongeaient, tu sais, tous les problèmes qu'il y a eu sur le dernier, les gens en rigolaient, quoi. C'est triste, c'est quand même une putain de licence, Pokémon, bordel. C'est clair. Enfin, c'est ça, vrai. Ça mérite mieux. Et quand tu vois à côté qu'il y a la concurrence qui est là, parce que Temtem, ça marche beaucoup, ça marche très bien, et ça commence à lui nuire, je pense, avec le temps aussi, hein. Parce que Temtem, qui a quand même un petit studio à côté, putain, graphiquement, c'est propre. J'avoue. Tu vois? Donc, voilà. On serait tous les deux en plus de moi, je pense. Mais je vous l'annonce déjà, on aura... D'ailleurs, si tu veux venir, Matt Leclic, en parler avec nous, on va... parce que je t'ai reconnu cette fois, aujourd'hui. Hein. On en a bien rigolé l'autre fois. Désolé, j'avais pas tilté, j'étais à fond dans le truc. Mais il faut... on fera une spéciale Pokémon, si ça vous dit, d'une heure et demie là, une discussion du dojo spécial Pokémon. On va parler un peu du passé, de l'avenir, d'où ça en est, etc. Tu vois, je pense que ça va vraiment être bien. Et bah franchement, viens avec nous discuter, ça va vraiment être bien avec toutes les expériences différentes qu'on a. C'est ça que j'aime bien avec cette émission, tu vois, c'est que on partage nos expériences, tu vois. Ouais. Ah voilà, le petit jeu League of Legends là, qui m'a pas spécialement marqué, mais tu vois, c'est un peu spécial, mais ça peut marcher aussi, hein. Franchement, ça peut marcher, les petits jeux comme ça, tu sais, un peu à la Harvest Moon là, tu sais, ouais. Niveau graphisme, c'est très très joli en plus, hein. Le pixel art là qu'ils ont mis est très très beau. Bon, venons-en à mon jeu, pour moi, qui a été vraiment ma petite claque du Nintendo Direct, tu vois, où je me suis dit, putain, je veux le faire, c'est celui-là. Voilà, je vous le présente. Eiyuden Chronicles. Bon, après, voilà, tu vois, Guillaume, tu vas me dire, les graphismes, machin. Non, mais critique. Regarde ces graphismes. Regarde ça. On est encore plus niveau mobilité, je trouve que c'est encore mieux que du Octopath Traveler. Tu vois ce que je veux dire? Les personnages sont
limite on est sur de la 2D, 3D, enfin c'est un peu bizarre comme d'habitude, mais moi ce jeu, je pense qu'il va être vraiment bien. Tu vois? Ouais. Gros potentiel. Et graphiquement, ça, c'est j'aime bien le style, voilà. Ça a été vraiment le jeu que je retiens, tu vois. Ça ressemble un peu à du Octopath, mais les personnages sont comment dire, niveau du dessin, c'est beaucoup plus précis, tu vois, la cape, etc. C'est travaillé. Ouais. Regarde, les attaques sont très très belles, je trouve. Enfin, il y a vraiment du potentiel dans ce petit jeu. Voilà, bon, après Wargroove, tout ça. Ah, alors le fameux, faut en parler. Je le ferai. Dave the Diver. Le fameux Dave the Diver que tout le monde a streamé. Ah oui, c'est toujours. Voilà. Il n'y a fait que ça, on entend parler dessus là. Qui a l'air très sympa, hein. J'ai regardé un gameplay rapidement et franchement, il a l'air très très bien. Et bonsoir à tous nos amis qui sont là. Hein. Les 6 personnes là, n'hésitez pas hein, à partager. Aux opinions sur Nintendo Direct, etc. On est en train de dire justement que ça sentait la fin de vie pour la Switch, quoi. C'est un peu le chant du cygne pour moi. Je pense que vraiment la console va être dévoilée pour l'année prochaine, là. Donc, n'hésitez pas à partager vos opinions là-dessus. C'est vrai que ça ressemble un peu à Fire Emblem, mon jeu là que je vous ai montré tout à l'heure. Ah voilà, la dernière vague de Mario. C'est quoi, c'est encore des nouveaux circuits? Bizarrement, c'est la dernière vague. C'est marrant, hein. Donc, Mario Kart arrive bientôt, hein. Bon, Among Us, voilà. Il n'y avait rien de... Et bien sûr, la révélation de la soirée, c'était un nouveau Paper Mario, qui est très apprécié, hein. Paper Mario, et c'est très très beau, hein, dans le style, hein. Après, faut aimer, voilà. C'est comme Octopath Traveler, tu vois, c'est des jeux qui... Faut aimer la patte graphique. C'est assez enfantin graphiquement, Paper ouais, Mario. Oui, mais l'idée est très sympa. L'idée du papier, tu vois. Enfin, je trouve ça sympa. Mais c'est pas ma cam, quoi. Voilà. Donc voilà. C'était pas un mauvais Nintendo Direct. Mais voilà, pour moi, il n'y a rien eu de. Putain, je suis pas pris une claque, tu vois. Je suis pas pris une grosse claque dans la gueule. Et on en vient justement. Au deuxième, parce que il y a aussi eu le State of Play ouais. Qui est sorti la semaine dernière. Et alors, ils ont fait une ouverture de State of Play, mon pauvre. Mais regarde le jeu qu'ils ont présenté. Ouverture. C'est là où tu es censé quand même balancer quelque chose de lourd, quoi, tu vois. Je t'avance un peu parce que c'est assez long, mais c'est un jeu de parcours, en fait, tu vois. Oh merde. Sans tomber, voilà. C'est quoi ça? C'est, voilà, c'est exactement ce que je me suis dit, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah voilà, ils ouvrent là-dessus. Ah mais ils ont essayé de faire comme... les peuples là, je sais plus c'est quoi le nom... Après, tu dois monter. Escalade ? Ouais. Oui, c'est un petit studio qui fait ça en plus. Bon, par contre, Resident Evil, magnifique. Magnifique. Ça, c'est un nouveau, c'est. C'est le 4. Ok. Je crois que c'est. Attends, parce que j'ai zappé un peu vite le truc. Mais je crois que c'est des extraits du 4. Attends. On va revenir. Ouais, c'est ça, c'est le 4. Okay. Ça, c'est... Enfin, graphiquement, hein, Capcom, bravo. Hein, parce que c'est propre. Ça doit être un DLC, je pense, du 4. C'est pareil, Twiz. J'ai pas encore fait. Moi, j'ai fait l'ancien 4. Le vieux, que j'ai adoré. Et par contre, ça a l'air super, ce qu'ils font, franchement, graphiquement. Avatar. Le fameux, alors, qui est revenu. Alors, ils ont mis un coup de polish sur ce jeu. Parce qu'il n'était pas si joli que ça. Hein. C'est Ubisoft hein, qui est derrière. Ils ont mis un coup de polish là récemment. Parce que moi je le suis quand même pour voir où ça va aller. Même si niveau modélisation des personnages, c'est pas fou. C'est quand même vachement plus beau que ce qu'on avait vu il y a quelques mois, quoi. Tu vois ?
Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, c'est sûr. Bah après... Les décors sont... C'est très beau. Les décors, ils sont beaux, quand même. Alors, celui-là, tu vois, j'ai pas d'opinion encore dessus. On verra. Avatar, après, normalement, t'as du contenu. Il y a un lore, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu. Hein, mais... Après, le problème, c'est que tu passes après des films d'animation qui ont tout mis par terre, hein, niveau animation, franchement. Enfin, c'est une claque graphique, et le problème, c'est que bah, tu tombes sur un jeu qui, graphiquement, il est pas aussi joli que les films, tu vois. T'as forcément la comparaison dans ta tête qui se met, tu vois. Où tu dis, ah ouais, c'est normal. Ouais, voilà, les personnages, off, tu vois. À voir ce que ça propose. Je suis curieux quand même de voir. Je suis curieux. On passe. Ouais, bon, quand il y aura un gameplay et tout. Bah, un vrai gameplay, ouais. C'est surtout ça que je veux voir parce que là, ils te montrent des trucs qui tournent sur des PC de compète. Hein. Oui, bah oui. Bon, le Ghost Runner 2, on va passer. Hein. Je vous passe un peu tout ce qui. Enfin, les petits jeux. Hein. Il y a du monde sur Ghost Runner aussi. Hein. Alors, le voici, le fameux. Bon, alors, ça, je sais pas quoi en penser. Hein. Alors, attends, comment il s'appelle déjà ? Non, c'est Ghost Runner. Alors attends, comment il s'appelle lui ? Pour te dire à quel point il m'a marqué. Voilà, Helldiver, tu sais, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais, bon, bah, il y avait déjà plein de jeux qui font ça. Hein. On dirait, c'est légèrement ressemblant pour moi du Destiny 2, quoi. Enfin. Bah, ouais, clairement. Tu vois. Ouais, bon, bah, c'est cool, hein, les gars, on verra si c'est bien. Hein. Mais moi, tu vois, y a rien d'original là-dedans, quoi. Bon, on passe au gros morceau, parce que tout le monde attend ce jeu que je n'attends pas. Bizarrement. Ah ouais, bah, je sais pas, moi, je trouve pas ça. Graphiquement, je trouve pas ça renversant, tu vois. Battlefront, ouais. Ah, voilà, tu vois, comparé au premier, est-ce que vous voyez vraiment un gap graphique ? Le premier qui est 2018, moi je vois pas de gap graphique. Hein. Bah, je sais pas, tu trouves ça beau ? Enfin, tu trouves ça incroyable pour une grosse licence ? Ah là, comme ça, tu vois, c'est compliqué quand même à comparer. Bah ouais. Moi qui fais celui d'avant il y a pas longtemps, tu sais, en version PS5, ouais. Bah, je trouve pas qu'il y a beaucoup de changements. Alors beaucoup de gens ont oublié comment était celui d'avant, ou alors ils ont joué à la version PS4. Mais moi, la version PS5, elle tournait comme ça. Hein. Franchement. Hein. Oui, après, c'est un très bon jeu, hein, le premier. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Mais graphiquement, pour moi, il n'y a pas une grosse claque. Hein. Enfin. Je trouve ça. Je pense que ça sera au même niveau que le premier, quoi. Mais juste. C'est ça. Il y aura plus de costumes, plus de. Et plus d'abord, la map est. Plus de map, ouais. Plus grande. Plus de loot. Bref, voilà, donc voilà. Bon, vous savez, de toute façon, tout le monde est au courant. Hein, 28 octobre, Spider-Man 2. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ? Parce que je vois qu'on est un peu en retard sur tout ce qu'on a à voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ? Ah oui, ils nous ont balancé aussi des extraits d'Honkai Star Rail. Oui, du Honkai. Donc qui va enfin sortir, enfin, moi je l'attends, hein. C'est quand vous voulez, hein. C'est quand vous voulez, Honkai. On l'attend. Hein. Ou il y a une date maintenant. Alors attends, je sais même pas s'ils ont mis une date, attends. On va vérifier. Mais... C'est très beau, hein, moi je... Ah, regarde, ça y est, les MiYoYo fans sont là. Non, mais moi ça me plaît bien, hein, ça me plaît bien en plus. Hein. On l'a pensé ce jeu là. Qu'est-ce que c'est que ce gant de Spider-Man là ? T'as vu ? T'inquiète. Pourquoi il y a un gant de Spider-Man ou c'est moi ? Elle est très forte elle. Ok. C'est les Spider-Girl. Ah. Ça va un peu chercher dans la pop culture quoi, c'est ça ? C'est du tour par tour, c'est vrai ça, j'avais oublié. Oui. J'avais oublié. Moi, ah, MiYoYo, quoi. C'est soigné. Hein. Ah, c'est beau. Hein. 11 octobre.
Eh ben dis, c'est bientôt ça. Très bien. Putain, ils en ont mis du temps quand même. C'est sacrément long, ouais. Et tu me rappelles mon jeu Blue Protocol que j'attends encore plus, hein. Je suis désolé, oh, hein, mais... Et celui-là, je l'attends. Alors voilà, ma petite claque de la soirée. Et on va... Vous allez me voir jouer à la première partie cette semaine. N'hésitez pas à venir. Version PS5, Deluxe, on va tout faire. Le DLC aussi. Alors qu'est-ce que tu veux, Josiane? Vas-y. Voilà. Pour moi, ça a été ça la claque. Parce que graphiquement, enfin, putain, quelle claque. C'est beau. Ça fait next-gen, tu vois. Ouais, bon, ouais, j'avoue. Dans le style de Square Enix, hein, parce que t'as quand même, ouais. MiYoYo fait quand même des jolies choses, hein. Et Josiane, ouais, je sais pas comment elle s'appelait, excusez-moi madame, hein, je veux pas de problème. Elle avait une tête, elle s'appelait Josiane, bon c'est comme ça. Non, après. Oui, voilà. C'est parce que, enfin, je vous dis exactement pourquoi, parce qu'il faut préciser pour pas que ça fasse de remue-ménage. Elle m'a fait penser à Josiane Balasco, l'actrice, c'est pour ça que j'ai appelé Josiane, voilà. La petite est-ce parenthèse. Que, du coup, c'est un nouveau ça. Alors c'est la suite de FF7 Remake, qui s'appelle FF7 Rebirth. Okay. Et moi, c'est ma claque du State of Play, quoi. C'est ma claque. Un monde ouvert. Hein, mettre le clic, un monde ouvert. Il y a des véhicules maintenant, c'est quoi ce bordel? Ouais. Il y a ça, il y a plein de mini-jeux. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable ce qu'ils ont fait. Ah, c'est Firoz. Tout le monde connaît Sephiroth, naturellement. Un des plus grands méchants du jeu vidéo. Ouais, franchement, ça, les gars, c'est sur la chaîne direct. Il y a pas... Là, je vous le dis tout de suite, ce sera sur la chaîne. J'avoue, regarder en live, ça peut être mal, ça. Ah ouais, non mais... Puis, enfin, moi, enfin, voilà, c'est un jeu doudou pour moi, celui-là, parce que bon, j'ai joué au tout premier à l'époque sur PlayStation, donc voilà, Final Fantasy, il a toujours été là dans ma vie, tu vois, donc... J'ai beaucoup ouais, joué. Les Final Fantasy ont pas trop déçu. Hein? Il y en a qui ont. Bah, les Final Fantasy. Ouais. Il y a certaines licences. Bon, il n'y a aucune licence qui a été déçue, non? Aucun épisode de Final Fantasy. Ah, quelqu'un a. Ah, il y a peut-être. Ça, c'était quel? 11? Oui. Je sais plus, c'était lequel. Oui, les opus. Parlé. Comme on te précise dans le chat. Ouais, les opus, ouais. Mais alors, si, il y a quand même eu pas mal d'épisodes, notamment les épisodes avec Lightning, tu sais, la fille avec les cheveux roses, je sais pas si tu te souviens, de ces jeux-là, c'était quand même assez discuté à l'époque. Moi, je les ai faits, j'ai bien aimé. Le 15 a été compliqué, déjà au développement, il a été compliqué, et puis le jeu est pas facile. Alors, attends, je vais pas spoiler et dire qui c'est, mais il y a un petit passage là avec un personnage que les fans de Final Fantasy connaissent bien, avec une cape rouge. Voilà, je vais pas spoiler. C'est dans Tekken. Je voulais en reparler parce qu'on le voit dans la bande annonce et j'ai adoré le jeu avec ce personnage. Voilà. D'accord. Il s'appelait Dirge of Cerberus, je crois, à l'époque. Qui est un très grand jeu, un shooter, hein. Un shooter Final Fantasy. Dans l'univers de Final Fantasy, qui est très très bien. Bref, on disait, je m'égare, ça y est. Salut petit chaton, comment vas-tu? On est en train de revoir le State of Play un peu, et moi je disais que voilà, ma claque du State of Play, c'est Final Fantasy comme d'habitude. Bah ça va, tranquille. Oui, après tu me disais, voilà, les opus, donc le 15 a été, ça a été très compliqué pour le 15. Tu vois, ouais. Ils ont voulu faire... c'est le premier monde ouvert, hein, de FF. Vraiment ouvert. Et c'était vide. C'était... Il y avait des missions où il fallait faire des selfies. Il y avait des trucs bizarres dans ce jeu. Après, l'histoire est vraiment bien. Du 15, moi, j'ai bien aimé. Et je l'ai fini. Avec le personnage principal, moi, je l'ai bien aimé, Noctis. Ouais. Mais tu vois, récemment, hormis le 7 qui a fait l'unanimité parce que c'est un remaster, et le 10 qui est apprécié, et puis tous ceux d'avant, là, le 7, 8, 9, 9 un peu moins, mais le 7 et le 8 sont très appréciés. Mais récemment, les FF, c'était pas... Enfin,
je le compte pas dedans, mais bien sûr FF14, hein, on va pas en reparler. Je pense que tout le monde sait que c'est un carton, c'est un MMO, donc je le mets pas trop dans le même bain que les autres. Moi j'y ai beaucoup joué, hein, au 14, hein. Beaucoup 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 joué. Mais à un moment, c'est long quand même. Il est très long, ce jeu. Voilà. Après, c'est un de mes jeux de cœur, hein, Final Fantasy XIV, donc je le mettrai jamais de côté. Hein. Mais voilà, pour te dire que le 16 a divisé aussi, hein, parce que son côté Game of Thrones, là, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Le Final Fantasy XVI. Donc, ah, okay, du coup, ça n'a pas fait l'unanimité, quoi, sur les opus. Voilà. Hormis le 7, là, évidemment, le 7, personne ne dira du mal de... du 7, parce que voilà, c'est une bible, tu vois, ça, celui-là, là, ce jeu-là, ça, c'est une bible. C'est une bible. Ils ont mis une bifle à tout le monde, je le dis, tant pis si je suis ban après pour avoir dit ce mot, mais, ouais, allez. Mais je le dis, pour moi, c'est vraiment un jeu à faire. Je suis arrêté au FF tour par tour, old school. Alors, tu sais que dans celui-là, tu peux encore jouer au tour par tour. Ils ont laissé le choix. Si tu veux le faire, il y a un mode classique dedans. Et ça, c'est cool, par contre. Mais voilà, bon, pour le State of Play, pareil, il n'y a pas grand-chose, quoi. Tu vois. Alors, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être qu'on va avoir une version pro de la PlayStation qui va sortir et que, voilà, ils vont en profiter pour balancer plein de gros jeux pour que les gens aillent acheter la pro. Je ne sais pas. On verra. Ouais. Mais c'est assez light, hein, pour une fin d'année, je trouve que... Putain, waouh. Tu vois, de sortie exceptionnelle. Pas de grosse licence, la dernière, ça a été Starfield. Mais du côté PlayStation, il n'y a rien, quoi. Tu vois. Alors, ça y est. Parlons-en, librement. On va parler rapidement de la Switch 2, puisque c'est sur toutes les lèvres actuellement. Il y a des noms qui circulent, la Switch Focus, notamment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Les développeurs l'ont déjà. Ça, on le sait, c'est sûr, parce qu'ils en ont parlé. Alors, je ne sais plus pas festival, mais tu sais, il y a eu un... comment ça s'appelle? Ça y est, je commence à sécher, tu vois. Bref, un endroit où ils présentent des jeux, je crois en Allemagne, ouais. De mémoire. Et putain, comment il s'appelle ce truc? En Allemagne, je sais pas, je sais quoi leur événement là-bas. Mais bref, il y a des développeurs qui ont parlé, qui auraient pas dû, je pense, mais qui ont confirmé en fait le fait qu'ils avaient déjà la nouvelle console chez eux. Voilà, le kit de développement pour pouvoir commencer à préparer les jeux, justement. Donc la console est là. Cette fois, on a vraiment des news officielles. Officieuses, du moins. Même si peut-être que des gens sont morts après ça, je sais pas. Non, c'est pour rigoler, bien sûr. Mais la console est là. Et les développeurs l'ont, tu vois. Après... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Hein. Bah, moi aussi. Parce que là, c'est une sacrée bête, hein, la Switch, quand même. Hein. Pour passer après ça... Déjà... On parlait de l'écran. Si on va pas mettre de l'OLED directement, ça va être compliqué. Bah écoute, tu veux que je te donne mon avis? Pour moi, il n'y aura pas d'OLED. Super. Pourquoi? Pourquoi du LCD à ton avis? Parce que... Hein? Ça coûte pas cher. Ouais, c'est plus facile à fabriquer. Ouais. Voilà. Alors après, je dis ça, voilà, c'est mon opinion sur le moment. Si c'est de l'OLED, mais je monte au plafond. Hein, parce que moi, pour moi, la nouvelle Switch, elle doit avoir l'OLED, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, il n'y a pas d'autre version. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Ils se sont fait de l'argent, là, c'est bon, les gars. Putain, pas du LCD pour une nouvelle console en 2023, enfin 2024, du coup. Non, non, non. Après, moi, j'attends beaucoup, surtout des Joy-Con. Ah ouais? Parce que... ils ont intérêt à nous faire quelque chose de propre cette fois. Parce que j'ai eu combien de Joy-Con qui déconnent, là? Je crois que je vais en avoir 4, tu vois. Et toi, tu les manges, tes Joy-Con aussi? Ouais, c'est vrai.
Avec un peu de confiture et du beurre. Non. Non, mais enfin. Les Joy-Con, quoi. En... C'est pareil. En... Putain, ça y est, la musique qui revient. Ça fait peur à chaque fois. J'ai une coupure dans ma musique, là. Ça me fait marrer. Et puis, ça fait marrer les gens parce que, chaque fois, ça me fait peur. Mais bref, revenons au sujet. Les Joy-Con sur une console Nintendo en 2024, ça doit plus être comme ça. Franchement. Mais je sais pas trop comment ils peuvent faire. Hein. Bah moi j'ai une idée. Alors après tu me dis ce que t'en penses. Pour moi, il faudrait arrêter le système de manette qui se clipse. Il faudrait que la console, elle ait ces deux Joy-Con, mais soudés à la machine, que tu peux docker ou pas, tu vois. Mmh. Et qu'à côté, on ait les manettes. Pour qu'il n'y ait plus de problème de Joy-Con drift, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui est plus côté donc, portable. Alors après, c'est mon idée, hein, c'est mon idée. Mais ça peut être une idée, hein, mais bon. Après, c'est vrai que la Switch se repose beaucoup sur le fait que hop, tu prends tes deux manettes, clac-clac, et puis tu joues tranquille avec deux potes sur une table, machin. Mais je pense que ça fait partie du problème, en fait, qu'il y a eu sur les manettes, tu vois. Ce petit système-là, de glissière, là, sur les côtés. Bref. Ouais, je pense qu'ils vont... Comme c'est sorti en 2017, je pense qu'ils vont... Ils ont peut-être fait quelque chose. On aura peut-être quelque chose de mieux. Hein. J'espère, d'ailleurs, ils ont intérêt. Hein. Surtout que la prise en main, quand t'as des grandes paluches... Ouais, c'est pas ouf, c'est vrai. Ah, quand tu joues avec une seule, tu veux dire? Ah ouais, ouais. Après, ce qui est... Si t'as pas la manette, c'est compliqué. Quoi. Ah oui, ouais, bah moi, tu vois, regarde, hein, d'ailleurs, je l'adore, ma petite manette manette pro qui déconne maintenant du stick aussi, d'ailleurs, pour en parler. Hein. C'est une manette. Ouais, elle est marrante, ma petite manette. J'en ai plusieurs, d'ailleurs. Attendez, je vais vous montrer une manette encore plus jolie. Merde, elle est pas là. Bon, bah, je peux pas vous la montrer aujourd'hui. Bah, je l'ai déjà montré une fois, c'est la manette Pikachu qui est noire et dorée, elle est magnifique. Après, bah, j'ai aussi une autre manette classique Switch, tu vois. Mais à pile. D'accord. Ça, c'est ma manette de secours s'il y a un problème, tu vois. Elle vient toujours d'un. Mis des Xbox. Hein. Voilà. Après, on va pas revenir sur le sujet des manettes à piles. Hein. Pour moi, ça devrait plus exister. Mais bon, ceci est un autre sujet. Nous ferons un live sur les manettes à piles un jour. J'ai hâte. je l'entends à ta voix. Voilà. Bon, bref, pour Nintendo, de toute façon, l'année prochaine, elle est là. Hein. La Switch, elle est là. Donc. On les attend. Ouais, ouais, on les attend beaucoup. On va passer à un petit sujet rapide. Hop, hop, hop. J'ai ma fille qui va regarder, mais là, non, c'est pas le moment. Faut en parler. Petite news animée quand même, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu, hein, mais... Ça y est. Ah oui. Ça y est, ça y est. L'attaque des Titans, c'est fini. En fin d'année, là, la partie finale. Et bah une page se tourne, hein. Une page se tourne. Ah, ça serait bien qu'ils le mettent au cinéma en parlant de ça. Bah ouais. Mais ça parlait pas de ça d'ailleurs, de finir avec un film au cinéma, L'Attaque des Titans. En fait, c'est assez compliqué quand même pour faire un film. Pour aller au cinéma. Ah, c'est une grosse licence. Il y a un film là, toi c'était lequel? Là, je sais plus, il y avait un film qui était sorti aussi sur un animé assez connu, du coup, et le cinéma a dit qu'ils pouvaient pas, en fait. Ils ont payé les droits. Bah, après, on a toujours le même problème. D'ailleurs, il faudrait en faire un sujet un jour. C'est aussi les cinémas qui prennent pas le risque de prendre des films. Tu vois? Parce que... Bah, je pense pas que ça soit le risque, hein, parce que... Bah si, là, c'est un peu niche, quand même, au cinéma, les animés, hein. Ouais, ce que je veux dire. Je pense si l'auteur veut pas que ça soit au cinéma, ça marchera pas. Genre, tu vois, c'est quand même si c'est diffusé sur Crunchyroll, je sais pas s'il faut qu'ils leur demandent le droit de le diffuser dans un cinéma, par exemple. C'est une bonne question. Si les gars vont le voir au cinéma, ils vont pas le voir sur Crunchyroll, par exemple, les abonnés. Oui, hormis les gros fans qui vont vouloir le revoir 32 fois. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, SNK, j'arrive, regarde-le. Tu vois, je l'ai attiré là, c'était mon piège. Ça tombe bien parce qu'on a un gros sujet après.
Il nous reste une petite demi-heure, en plus ça devrait être nickel. Donc viens mais parler pour les cinémas, je pense. Pour les cinémas, je pense pas qu'ils veulent pas prendre le risque. Regarde Demon Slayer, le film est sorti sur au cinéma. Oui. Après Demon Slayer, il est tendance aussi entre guillemets. L'attaque des Titans, bon, il est bien implanté, l'attaque des Titans, depuis le temps qu'il est là. Oui, bien depuis sûr. 2000, on avait dit combien, 2010 ou un truc comme ça, je crois. Hein. 2010 ou 2012, je ne sais plus. Ouais. Bref, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Et pour moi, il a largement la possibilité de sortir un film. Hein. En plus, c'est beau, quoi. Enfin, on est toujours sur une patte graphique incroyable, l'attaque des Titans. Même si, je t'avoue que mon chouchou, maintenant, c'est Demon Slayer, hein, graphiquement. C'est vraiment mon chouchou graphique. Je sais pas si ça existe. Il y a Bleach maintenant. Oui, mais c'est pas aussi. Quand tu regardes bien, et à chaque épisode, je regarde, hein, c'est beau, mais c'est pas exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est au niveau de ce qui se fait maintenant. Tu vois. Ça, c'est pas comme Demon Slayer à nous sortir des dingueries là. Oui, des trucs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais même l'attaque des Titans, là, franchement, la bande-annonce. Même si je ne regarde pas le texte, on est d'accord parce que je ne veux pas me spoiler. J'ai pas encore vu la dernière. C'est très très beau. Hein. Ça donne envie. Hein. Franchement. Et on va enfin découvrir les ce que pense Eren et tout. Bah, la fin quoi, de l'œuvre. C'est ça. La conclusion, bah, dans tout le sens du terme, en fait. Toutes les réponses vont être apportées. J'espère, hein, parce que. Pas qu'ils nous laissent sur notre fin quand même. Donc voilà, ça, il faudra que je me penche sur la... J'ai réessayé, alors pour te faire rigoler, la semaine dernière, j'ai réessayé de remater la dernière saison. Je n'arrive pas à passer les épisodes de guerre du début, là. Je me suis endormi dessus. Ah ouais? Je te jure. Il faut... Pourtant, ça fait montrer l'autre côté du mur. Bah aussi. Oui, c'est important. Je les avais déjà vus, ceux-là. Je pense que j'avais bien fait 4-5 épisodes, tu vois. Après, ils te font le parallèle, etc. avec le reste. Mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher à ce début de saison. Pourtant, j'ai adoré toutes les autres. Hein. Je les ai là en Blu-ray, Attaque des Titans. Mais là, j'ai du mal avec celle-là. Est-ce que c'est l'inconscient qui te dit que ça va être fini et du coup, t'arrives pas à... Je sais pas. T'arrives pas à regarder. Mais oui, on est d'accord, Matt Leclic, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Cet animé est un chef-d'œuvre. Faut dire ce qui est fort. Ouais. Ah, ça y est. Ah ouais, en fait, je vous laissais parler. Ah oui, je vous ai dit. Ouais. Ça fait une demi-heure, je suis là. C'est vrai? Ça, l'équipe. Putain, j'ai bah ouais, ça fait un petit moment. Ok. Bah tiens, tu veux nous en parler un petit peu de ton avis sur. Ça y est, ça se finit, là, c'est la fin, c'est. Terminus, ouais, tout le monde descend. À chaque fois à la fin. Non, mais je parlais pour l'attaque des Titans, tu vois. C'est quoi la question du coup? Bah, l'attaque des Titans, Terminus quoi. Finito. Oui, bah moi, étant donné que je suis comme Geek, que j'ai lu le scan, donc moi je connais déjà la fin. Donc oui, hâte de regarder l'anime en tout cas, c'est sûr et certain. Hein, tout le monde, hein, même ceux qui ont lu le scan, c'est sûr. Hein. Ça a l'air fou graphiquement hein, quand même. Ah bah ouais. Il y a un petit côté, alors je me rends compte maintenant, mais il y a quand même un petit côté rétro au niveau des dessins, je trouve, au niveau des visages dans cet animé. Je sais pas, au niveau des cheveux, des visages, je trouve. C'est un peu comme les vieux animés, tu sais. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ouais. eu ce côté un peu rétro dans les tronches, tout ça. Que j'aime bien, hein, c'est très beau. C'est pas pour dire que ça fait vieux, mais... Ouais, mais ça passe bien avec l'anime. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais bon, voilà, ouais, bah écoute. La saison finale, hein, ça y est. Ah putain, attends, le 4 novembre en plus. J'ai dit des conneries, moi, tout à l'heure. 4 novembre. De toute façon, dès qu'il est sorti, je l'ai fini de le regarder. Je vais devoir me retaper toutes les saisons. Donc, ah, tu vas tout refaire? Ah, bah oui. Eh bah, bon courage. Ah ouais, t'es comme ça. Putain. Waouh. Ah oui, parce que. C'est que tu vas apprendre plusieurs trucs et du coup tu vas dire ah ouais attends il faut que je recommence là pour comprendre pourquoi au début il faisait ça etc. Oui parce qu'il y a des trucs que t'as oublié entre temps, moi des fois j'y pense tu vois. Bah là en revoyant notamment Bleach il y a des trucs que j'ai oublié et je me dis mais ça c'est pour ça. Ah mais... Heureusement vous faites pas ça avec One Piece hein.
Ah, One Piece, je pourrais pas te dire encore. Mais c'est prévu juste après Bleach, One Piece, pour vous dire. Oh, toi, t'es bien déter, toi. Ah ouais, bah, franchement, faut être vénère mentalement. Hein. Oui, mais on est d'accord qu'il faut le voir. Donc, oui, ouais, bien sûr. Ah oui. Il n'y a pas de discussion. Oui, moi, je suis en plein dedans. Hein. Attends, je vais te dire exactement à quel épisode je suis. Tac, tac. One Piece. Mais ça vient à charger. C'est au 500 et... Je suis au 547. Bah, t'as fait à peine la... ouais, à peu près la moitié. Ouais. Ok. C'est déjà bien. Oui. Et tu es c'est content long. Ou pas? Est-ce que tu en es content? Oui, le oui oui c'est sûr et certain. J'ai été encore plus content au moment où ah ben non je vais te spoiler. Oui oui mais tu peux nous expliquer les grandes lignes sans spoiler hein, après. Bah je pense que tout le monde le connaît ça c'est quand ils ont passé les deux ans séparés en fait. Ah oui. Voilà. Ouais il y a une petite ellipse c'est ça. Ouais. Ok. C'est ça. D'accord bah écoute il faudra après finir Bleach déjà. Je suis très content d'ailleurs d'avoir attaqué Bleach. C'est des... toujours aussi bien, franchement, quand on saute les hors-séries, bien sûr. Mais d'accord. Oui, bien sûr. Hein? Parce qu'il y a au moins la moitié de hors-séries dans Bleach, hein, quand même, quasiment. Ce qui est fou. Ah ouais, autant. Ouais, ouais. Bah là, tu vois, l'autre jour, j'étais passé quoi, du 70 au 100. Voilà, pour reprendre l'histoire principale. Donc, bon, après, notre ami Tite Kubo avait du mal à écrire son animé, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hors-série d'un Bleach, parce que c'était très dur pour lui mentalement et psychologiquement. Il a souffert de l'écriture de Bleach, c'est pour ça qu'il s'est arrêté à un moment, tu vois. Ah ouais? Qu'il l'a pas continué, parce que ça l'a mis dans un état de fatigue. Parce qu'il faut en parler, hein, les mangaka, c'est des machines de guerre. Ouais, hein. Bah, vous avez vu pour clair. One Piece, hein. C'est les mecs qui dorment pas ces gens-là. Ah, mais c'est incroyable l'énergie qu'ils mettent là-dedans, quand même. Ouais. C'est beau d'un côté, c'est beau. Pour leur art, on va dire. Bref, c'est clair. On en reparlera ça aussi. Ça fait partie des sujets de cette année. Hein, donc, on y reviendra sur les mangaka. Petit sujet sur les mangaka, c'est bien ça. Alors, tu tombes bien, Zahil Kira. Ah oui? Oui. Je vais vous afficher un message. Oh, putain. Alors, ouais, j'ai regardé des petites vidéos de tout à l'heure. Voilà. Les spectateurs, n'hésitez pas à en parler, hein, donner votre avis. Les studios mettent énormément de pression, oui, c'est ça. Bah oui, l'argent, argent. Argent, argent, comme d'habitude. Hein. Alors, notre cher président, voilà, qui essaye de récupérer, enfin, c'est de la récupération bah, oui. Politique, hein. Il n'y a pas de... Bah, bien sûr. Quand quelques mois auparavant, tu dis que ah, les jeux vidéo, c'est pas bien, ça rend les jeunes violents, et puis que maintenant, tu sors un pavé, parce que... Bon, il dit que c'est la violence qui condamne et pas les jeux vidéo. Voilà, où il se rattrape. Voilà. Oui, voilà. Bon, après, attention, hein, je suis pas sur le débat politique, hein. C'est moi, c'est oui, le message, sûr. C'est le message en lui-même. Hein. Je vais mettre le clic qui est déjà bien, bien chaud, là. sur ce stream et dans ces lives, moi je ne veux pas parler politique. Donc mettons le côté politique à côté, tu vois. Et parlons surtout du fait que ce soit le président de la République qui s'exprime. Parce que en soi, ce qu'il a dit, c'est beau, c'est bien là, hein, ce qu'il a dit. Mais quand plusieurs mois avant, tu dis l'opposé, parce que regardez la taille du bordel. Hein. Ah, oh là là, c'est bon. Tout oui, ça oui, pour oui, dire bien. Quoi à la fin? Oh bah, je suis avec les gamers. Bah non, de toute façon, il peut pas se représenter. Donc. Mais je pense qu'il a fait une connerie, à mon avis, de parler trop vite des jeux vidéo, et il s'était pas rendu compte à quel point c'était devenu populaire. Tu vois? Ouais, là, il s'est pas rendu compte la scène e-sport qu'il y a quand même en France. Bah, voilà. Je trouve que... Il y a, tu sais, Kameto, je sais pas si ouais, vous connaissez Kameto. Ouais, il a fait un projet. C'est, voilà, c'est le fondateur de la K-Corp. Et ben, il s'est fait interviewer sur je ne sais quelle radio. Kameto, il disait, je me sens trahi par ce qu'a dit Macron. Mm-hmm. Je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais je sais pas si tu peux mettre une vidéo, cette vidéo-là. Attends, je vais essayer de la chercher. Mais
Putain, il est fort, il parle bien, Kameto. Oui, boy. Mais je pense que là, le... je sais plus quand il l'a mis, ce commentaire-là, avec Macron, mais c'est pas après l'annonce de Kameto avec son arène e-sport. Voilà, c'est ça, exactement. Alors ça, ouais, ça, c'est ça. Ça, c'est génial. C'est génial, ce qu'il est en train de faire. Je voulais en parler justement en parallèle quand t'as parlé de Gameto, ça m'a fait penser à ça. C'est, franchement, le lancement de son petit stade là, e-sport, c'est génial. C'est fou, hein. C'est le début, c'est le début. Il va y en avoir plus. Mais après, attention, hein, je pense que c'est pas à lui, hein, il loue. Hein. Oui, 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 bien sûr. Mais bon, enfin, il fait partie, je pense, des gens qui produisent, qui ont mis de l'argent dedans. Hein. Oui, bien sûr, mais qui. C'est fou quand même de dire qu'il va louer une salle comme ça, bah, une arène. Exprès pour l'e-sport, c'est génial. Ouais, c'est et bien, bientôt on verra Zalkira en finale Valorant dans le stade de Gameto. je vais sûrement aller voir les Gentlemates l'année prochaine, c'est sûr. Bon, du coup, ça y est, il y a déjà des trucs de fixer. Bah oui. J'ai pas regardé ce qu'il y avait en programme. En fait, les Gentlemates, c'est un roster full français. Qui ont été recrutés par Gotaga, Broken et Squeezie. Oui, et ils ont fait une équipe fou français qu'ils ont dit allez, on se lance dans Valo. Et ils ont fait les championnats de France, ils ont gagné. Ils ont fait les championnats d'Europe, ils ont gagné. Ils ont été qualifiés du coup pour les VCT EMEA, en gros, c'est les championnats d'Europe. Et ils ont gagné, et du coup l'année prochaine ils vont en VCT, mais Coupe du Monde en gros. Putain, c'est bien parce que moi j'ai assisté, j'ai assisté au début qui était un peu difficile évidemment, comme on en parlait l'autre fois, et toi qui es dans une équipe, tu sais ce que c'est. Faut le temps de connaître les autres, etc. Je pense aussi quand t'es dans une équipe comme ça, tu vois. Mais moi j'ai vu que le début c'était quand même compliqué au départ. Hein. Quand ça a commencé. C'est toujours compliqué. Hein. Et ce qui est normal, hein, ce qui est normal, mais du coup j'ai pas suivi la fin là, c'est vraiment cool hein, qu'ils soient arrivés à ce niveau là. Franchement, bravo. Bah la fin, ouais. Alors qu'à la base, ils ont perdu, hein. Ils ont perdu un match, il me semble, dans les VCT, enfin dans les championnats d'Europe. Ouais. Et t'as deux brackets. En gros, t'as la bracket. Attends, c'est comment ça s'appelle? T'as la win bracket et la loser bracket. En gros, si tu perds un match, au début, tu passes dans le loser bracket et tu joues contre ceux qui ont perdu aussi. D'accord, sur les matchs dans la win bracket. Où tu te bats contre ceux qui ont perdu à chaque fois. Exactement, c'est un tournoi. Et du coup, tu joues contre celui qui a perdu, qui était dans la win bracket. Et après, tu te retrouves à la fin contre ceux qui ont gagné toute la win bracket, en gros. C'est marrant comme nom, ils sont retrouvés. Ouais. Ils sont retrouvés. Oui. Il y a certains que je vois venir là. Attention. Dont moi d'ailleurs. Ils ont tout gagné du coup la loser bracket et ils sont retrouvés à la fin contre des gens qui étaient dans l'ancienne équipe des Fnatic. C'était des joueurs Fnatic à l'ancienne, et Fnatic c'est une grosse équipe de joueurs e-sport. Ils sont retrouvés là-dedans et ils les ont gagnés sur toutes les maps où ils étaient nuls à la base. Ils ont tout gagné. Ils ont fait un 3-0 le dernier match de finale de Coupe d'Europe. Putain, ouais, carrément. Ah mais ils sont super forts. Ah, j'ai commandé le maillot, je l'ai reçu à tout à l'heure là. Non mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on a vraiment une scène de l'e-sport qui est en train de pousser et de monter à une vitesse de fou quoi. Ah, c'est clair, c'est ça fait tellement du bien. Bah c'est ça, moi je suis content de ça parce que c'est faut pas prendre ça à la légère. Les gens pensent oui c'est jeu vidéo machin, c'est pas du sport. Non, il y a un entraînement, il y a la dextérité à avoir, il y a du travail d'équipe, tout comme dans un sport classique. Après oui, physiquement c'est moins éprouvant certes peut-être, mais et encore que ça dépend. Quand t'es à un certain niveau, je pense que tu prends cher aussi, hein. Pour te donner une idée. Par exemple, les Gentlemen, je suis un peu, tu vois, leur rythme d'entraînement, etc. Et comment ils s'entraînent. Ouais. Ils ont des entraînements physiques le matin et ils ont des entraînements. Enfin, je sais pas s'ils font ça toute la journée, mais ils ont des entraînements physiques avec leur coach, avec
avec Broken, avec Gotaga et Squeezie, ils font ensemble, Et du coup, ils font leur exercice, etc. Et après, ils vont faire leur entraînement sur le PC, tu vois, leur stratégie, etc. Oui, je pense que t'as des exercices un peu de coordination, des trucs comme ça, droite et gauche, peut-être, tu dois avoir des choses comme ça, tu sais. Pour faire travailler les deux côtés du cerveau, des trucs comme ça aussi, je pense, aussi. Exactement. En entraînement, des choses... Par exemple, dans les Formule 1, tu sais, ils ont des espèces d'écrans où ils doivent appuyer là où ça s'allume. Oui. Des petits ronds. Et ben ils ont des trucs comme ça, par exemple, pour faire travailler les réflexes, etc. Mais c'est avec ils toi ont qu'on des, en parlait une fois, d'ailleurs, en off. Non, c'était pas avec toi qu'on disait ça ? Ce petit truc avec le bouton, c'est avec toi que j'en ai parlé une fois. Hein, c'est possible. Oui, parce que... qu'on avait parlé de Gran Turismo ou quoi que ce soit. Voilà, exact. C'était ça. Eh ben, ouais, c'est sûrement avec moi. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on a une belle scène de e-sport en France, et voilà, on a un truc un peu navrant, je trouve, parce que le fait de venir sortir ça maintenant... C'est que ça a rattrapé, ouais, c'est un peu con. Oui, voilà. Bon, après, c'est bien qu'il l'ait fait, c'est mieux que rien, entre guillemets, qu'il n'ait rien dit, et que, voilà. On voit quand même que c'est quand même un truc qui a été travaillé. Bon, c'est peut-être pas lui qui l'a écrit, mais le fait qu'il le poste, c'est quand même quelque chose de fort, parce que qui aurait pensé voir un président parler des jeux vidéo comme ça, dans un tweet, je sais pas, 5-6 ans avant, quoi, tu vois. Donc avant non, mais aujourd'hui ça me choque pas des masses, étant donné qu'il ait fait des vidéos avec McFly et Carlito, oui, etc. Voilà. Tu vois, ça me choque pas qu'il soit dans ce milieu, et puis c'est un président qui est quand même jeune, donc toutes ces réseaux, toutes ces communautés, etc. C'est tout ce qui est contrôlé par les réseaux, c'est un peu les jeunes, tu vois, c'est quelque chose de leur génération, on va dire. Ça me choque pas des masses, tu vois. Ah, il essayait un peu de faire son Barack Obama, quoi, d'être un peu, tu vois, plus sociable que les autres présidents, tu sais. Barack Obama, il faisait pas mal d'émissions comme ça, il se pointait tranquille à des émissions, des talk shows, des trucs comme ça. Faut justifier le troisième mandat à venir. Ça y est. Alors attention. Pas de. je vois ce que tu veux dire, mais pas de politique. C'était vraiment juste pour le message, parce que ça a fait du bruit ce qu'il a posté là, tu vois, ce tweet. Et je trouve ça dommage, parce que ça énerve tout le monde, hein, dans le milieu, et je comprends. Hein. Après, je me dis qu'en même temps, c'est bien qu'il l'ait fait, tu vois. Qu'il l'ait écrit comme ça. Même si c'est un peu long, voilà. Mais... qu'est-ce que vous en pensez, du coup ? Est-ce qu'il a eu raison de le faire ? Voilà, on va finir par ça, je pense que c'est mieux. Est-ce qu'il a eu raison de tweeter ça, tu vois ? C'est quoi déjà son message exactement ? Parce que là, j'ai lu le début, mais... Globalement, il dit que tout ce qu'il a dit avant, que c'était pas, il voulait pas dire du mal des jeux vidéo, etc., même s'il l'a dit il y a 2 ou 3 mois. Mais voilà, tu vois... il disait que c'était des délinquants qui jouent aux jeux vidéo, globalement. C'était un peu... Ah. Voilà, tu vois un peu le style, mais il y a quelques mois. Et maintenant, il se rattrape. Il dit, jeux vidéo sont une culture, un divertissement, un spectacle, etc. Et c'est une chance pour la France que ça soit amené, etc. Ouais. Amener de la moula. À mon avis, je pense qu'il savait pas... Il sait pas qu'est-ce que tu peux créer comme événement avec ça, notamment t'as le GP Explorer, etc., t'as l'arène de la K-Corp. D'ailleurs, il en parle dans son tweet quand même, du GP Explorer, hein, à la fin. Bah oui, parce que t'as vu l'impact que ça a, je pense qu'il s'en rendait pas compte, et du coup, il est en train de boire la soupe dans laquelle il a craché, j'ai envie de dire. Oh, c'est beau, c'est belle image ça, dis donc. C'est beau ça. Allez, bon appétit à tout le monde. Non mais c'est donc, ça, c'est exactement ça l'image. Ouais, voilà, les font partie intégrante de la France. Assassin's Creed ou encore Dofus sont des créations de talents français. Nous en sommes fiers et nous en facilitons l'accès avec le pass culture. Tu vois, ça commence à... Il a su en fait l'ampleur que ça a pris, les jeux vidéo, les réseaux, etc. Et il est en train d'essayer de mettre des choses en place, parce qu'il voit que ça marche. Donc il a envie de mettre un peu de politique là-dedans, je pense. Et peut-être que plus tard, ça viendra, c'est possible.
Oui, voilà. Et il y a peut-être Brigitte, c'est peut-être acheter une Switch. Hein. On ne sait pas. Hein. Brigitte, elle va retourner au terme, là. Voilà. Oh là là. Bon. Elle va aller au terme d'Aix-les-Bains. Ah là. Oui. Restons recentrés sur le jeu vidéo. Alors, oui. Mais c'est ma faute. Hein. C'est moi qui ai lancé une connerie. Hein. Mais à la Brigitte. Ouais. Mais voilà. Non, bah écoute, moi, tu vois, autant au début, c'est vrai qu'au début, quand je l'ai vu, ce truc-là, je me suis dit, bon, récupération politique, bah, c'est un machin, je l'ai mal pris. Mais d'un côté, au moins, il prend le temps d'écrire un truc qui est bien quand même. Donc je me dis que c'est bien. Il faut le prendre pour l'avenir du jeu vidéo en France et dans le monde aussi, hein, mais surtout en France. C'est quand même bien. C'est quand même bien qu'un président prenne en compte ça, tu vois. Peu importe qui c'est et à qui il appartient, le fait qu'il en parle, c'est bien, tu vois. Je me non, dis bah, ça. Même, ça passe pas comme ça. Genre, tu peux acheter des kamas avec le pass culture. Putain, mettre le clic, viens avec nous dans les discussions, ça peut vraiment être sympa. On se fera un petit truc plus tard. Mais alors attention, avec quand même des bordures à la conversation, hein, parce que faut pas que je fasse ban 15 jours. C'est chiant quand même. Mais voilà, moi je trouve ça quand même au final, c'est bien qu'il soit revenu sur ses paroles par contre. Parce que il y en a marre d'entendre parler du jeu vidéo comme quelque chose qui rend les gens débiles et violents et machin. On y voit tous les jours sur BFM, à la radio, ouais. Machin. Et le fait qu'ils mettent ça en avant, enfin qu'ils postent tout ça, bah tu dis entre guillemets chais, tu vois, pour toutes les chaînes d'info là, tu vois. Bah regardez ça là, tu vois, il y prend en compte et il fait quand même quelque chose, il fait quand même un geste pour mettre ce genre d'événement en avant. C'est ça. Donc voilà. C'est plutôt pas mal, faut pas s'en plaindre. Oui, c'est sûr que pour nous qui sommes dans ce milieu là, ça fait du bien quand même. Je sais qu'après il y a beaucoup de monde qui voilà qui ont le côté politique qui est là et tout machin, mais pensez juste, le mec c'est le président de la France, voilà. Il parle des jeux vidéo, quoi. Putain, enfin, c'est quand même important. Et c'est bien pour tous nos petits développeurs français qui sont très très qualifiés. Et... D'ailleurs, hein, bon, il a pas pensé à eux, mais il y a aussi nos copains d'Asobo Studio qui ont fait Plague Tale. Parce qu'il a cité quelques studios, mais on a pas mal de studios français. Hein. J'en oublie plein parce que les noms, je suis pas très bon à ce niveau-là. Mais Asobo Studio est quand même pas mal aussi. Bah d'ailleurs, ils ont fait le jeu d'avion aussi, là. Comment il s'appelait ? T'avais le jeu où tu vas d'un point à un point, là. Flying Simulator ? Ouais, voilà. C'est aussi eux qui ont fait ça, ceux qui ont fait Plague Tale. Donc voilà, on a plein de pépites en France au niveau du jeu vidéo. Et ça, c'est cool, c'est vraiment bien. Et c'est bien qu'ils mettent ça en avant. Voilà, moi je me dis ça au final. Même si au départ, j'ai un peu pris en travers quand même, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On se rapproche de la fin du live déjà. Alors non, honnêtement, sans mon message, moi ça m'a pas plu. Hein. Ça t'a pas plu, toi? On n'a pas besoin de lui hein, sur les réseaux ou quoi pour... La famille sport se valorise. Hein, ah, c'est ça, on peut pas s'empêcher de penser à une récupération, quoi. Je veux dire, je l'ai pas exploré, elle a quand même pété le record Twitch hein, ouais. En scène, donc on n'a pas besoin de lui, hein, honnêtement. Moi, oui. Non, son message, je m'en fous un peu. Pour toi, voilà, ça sent vraiment la grosse récupération. Oui, voilà. C'est ça, voilà. Ok. Et Zaikira, alors, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux redire quelque chose ou on passe carrément à autre chose? Bah moi c'est un peu différent de Gigeek. Dans la globalité, s'il fait ce petit message, tu sais, ça fait un petit rappel, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas n'importe qui fait ce message. Ça voilà, reste ça. Le président de la République française. Peu importe qui c'est après. Hein, c'est... Il y en a comme Gotaga par exemple, il va pas en avoir besoin, mais par exemple comme le Chauve et moi, bah va sûrement en avoir besoin. Exactement. Ça fait toujours du bien, exactement. Tu vois. Exactement. C'est vrai. Mais enfin, voilà, on est partagé, on va se partager sur le message, quoi. Mais tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que déjà juste là, nous trois, on a tous un peu des avis un peu différents. Donc comme quoi ça divise, quoi, ce qu'il a dit, tu vois. Donc c'était quand même un bon sujet. Mais bon, voilà.
Est-ce que, les amis, nous avons 5 minutes devant nous? Est-ce que vous avez quelque chose dont vous voulez parler? Peu importe. Non, juste le dernier épisode de One Piece qui est sorti. Le dernier film? Épisode. Ah, épisode, pardon. Excuse-moi. Le dernier épisode, alors qu'est-ce que... C'est la fin de l'arc, surtout. D'accord, donc il était quand même assez attendu. Fallait pas se rater, quoi. C'est ça. Et il y a quand même 61 épisodes hein, qui est passé, je crois, sur l'arc. Hein. D'accord. Un truc comme ça. Hein. Et donc, c'est quand même... C'est un Demon Slayer, je sais pas combien d'épisodes fait, mais je crois que c'est à peu près ce niveau-là. Ah, Demon Slayer, un arc, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'épisodes, normalement, une saison, non? Un arc. Ouais, entre 12 et 20, ouais. Ah donc, non, c'était peut-être le premier qui était long, c'était la première saison qui était longue, Demon Slayer. Les autres étaient plus... Mais 61 épisodes, quand même. Je sais plus combien d'années ça a pris... qu'on est sur cet arc, 2 ou 4 ans, je crois, comme ça. Ah oui, quand même, d'accord. Donc là, ouais, on... Oui, donc une longue attente s'achève, ça y est. Tu vas pas passer à autre chose. T'as ce mec qui est vraiment une machine. Hein. J'ai vu sa façon de travailler, bon, on va pas revenir dessus maintenant, mais voilà. C'est un rouleau compresseur, ce mec, hein, c'est incroyable. Alors, Zaïd Kira, est-ce que tu veux parler de quelque chose? Moi, j'ai rien de spécifique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué récemment ou... Mon départ. Ouais. Alors, attention, parce que les gens ne comprennent pas forcément, donc oui. Guillaume ne va pas mourir. Je précise parce que. Reste une semaine, adieu. Et voilà. Ben, moi, moi, j'ai rien de spécifique. T'as rien de spécifique? Pas un jeu ou un truc qui t'a tapé d'un œil ou même Valorant. Un film, hein, peu importe. Valorant, les gars. Vélo, putain. Ben moi j'ai une petite news après qui m'est venue comme ça et je trouve ça bien. Alors je sais pas si peut-être que je ragote et que j'en ai déjà parlé avant, mais je trouve ça bien, c'est que je sais pas si vous connaissez la licence Highlander de ça film. Parle. En fait il y a ils vont redémarrer la franchise et c'est monsieur Henry Cavill qui va avoir le premier rôle. Donc je suis vraiment content du projet, c'est le réalisateur de John Wick. Donc, ça le réalisateur être... Ouais, ça devrait très très bien se passer. Oh là, attends, j'ai reçu un truc de PlayStation. Ah, blacklisté, ah, ça y est. Non. Non, putain, je regarderai après, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc je suis très content, moi, du projet. Et, si vous avez jamais vu Highlander, tous les deux, je vous conseille de regarder le tout premier film avec Christophe Lambert. Ça paye pas de mine. 1986. Exactement. Exactement. Ouais, bon, je m'en passerai, hein, désolé. Non, franchement, il a très bien vieilli. Je te le conseille, sincèrement. Obligé, quoi. Musique de Queen et il y a Sean Connery dedans, qui est incroyable aussi, dans son rôle. Wow, ah ouais, putain, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Ouais, et c'est pas des conneries, hein. Bref. Bah, mais... il fallait que j'en fasse une. Mais voilà, moi, c'est le projet qui me hype là ces temps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il y a Henry Cavill qui a été formé au combat à l'épée sur The Witcher, comme qui se bat très bien à l'épée. Bah, j'ai hâte de voir ça. Parce que là, c'est qu'il se fasse pas remplacer. Pardon. Attendez, vous avez parlé tous les deux en même temps. Un film ou une série là du coup? Ah non, un film. Enfin, plusieurs films même, carrément. Okay. Donc pour rappel, sans spoiler, pour les gens qui connaissent pas, hein, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas Highlander, c'est vieux maintenant, il y a eu la série télé qui était incroyable aussi, que je regardais quand j'étais petit. Bref, ça parle d'immortels, donc ils ne vieillissent pas, évidemment, parce qu'ils sont immortels. Tu vois, on commence à arriver en fin de live, donc je commence à ramer un peu. Et en fait, ces gens se battent entre eux. Et à la fin, en fait, le but de Highlander, c'est qu'il n'en reste plus qu'un seul, qui sera l'immortel ultime. Voilà. C'est l'histoire sans spoiler trop de choses, on va dire. Et donc, les gens traversent les époques, survivent ou pas. Parce que le seul moyen de les tuer, c'est de leur couper la tête. Voilà. Let's go. Voilà. Ouais, ça fête. Mais voilà, moi, j'adore Highlander. Mais voilà, je voulais en parler, voilà. Bah écoutez, regardez, 21h30. Nous avons déjà fini le live. C'est passé très très vite. Franchement.
Bon, après, est-ce qu'il y a eu trop de sujets ou pas, Guillaume? Dis-moi, parce que tu es... Toi qui a... Parce que j'ai essayé de pas trop mettre de choses, mais je voulais quand même parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On a eu pas mal de sujets. C'est bien quand on fait des petits sujets. Mais c'est plus sympa. Ouais, je trouve que c'était bien. N'hésitez pas dans le chat à nous dire ce que vous en pensez. Hein. Mettre le clic comme t'étais là aussi. Si ça t'a plu, s'il y avait trop de choses ou pas assez, si c'était trop long, pas assez long. N'hésitez pas à faire des retours parce que moi, je fais, j'avance au jour le jour au hein, niveau du projet. La discussion du dojo, ça évolue toutes les semaines. Donc, déjà là, tu vois, j'ai rajouté le planning de la semaine. De ce que je vais streamer. Il n'y a pas encore de Valo cette semaine, mais on ne saurait tarder. Tu vois, regarde, attends, je vais vous montrer un truc marrant. Il y a ma fille qui arrive et qui me montre ça. Je ne sais pas si vous avez la vidéo. Et on me montre un raid. Il ne faut pas oublier de faire le raid, tu sais. Alors, là, c'est trop mignon. Donc la vérité, c'est... hey, rémunère-la ta gosse. Hein. C'est ma secrétaire, c'est... Ça va être ta manageuse. Ah, c'est gentil, mettre le clic. Il est toujours là, donc ça va, c'est pas trop long, tu mérites plus de viewers. Mais tu vois, je pense qu'une heure et demie, c'est bien. Une heure et demie, voire deux heures, si on veut faire des spéciales vraiment un peu plus longues. Mais après, c'est trop long, du blabla pendant ouais, deux si heures. On tourne autour du même sujet à force. Voilà, tu vois. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de choses, comme ça on étale, suivant comment ça se passe. Mais je pense que le format d'une heure et demie est bien, tu vois. C'est pas trop long, c'est pas trop court. C'est parfait, quoi. Que dire de plus. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette discussion du dojo. On se revoit donc lundi prochain pour une autre émission avec d'autres sujets. C'est surprise, hein, je vous l'annonce pas tout de suite. Hein, il faudra suivre mon calendrier pour voir. Non, j'en parlerai en fin de semaine. Mais voilà, chaque discussion sera différente et il y aura des sujets différents à chaque fois. Donc voilà, en espérant que ça vous plaise. Et merci à tous les deux d'être passés. Hein, pas de soucis. De toute façon, vous revenez quand vous voulez, hein, même en plein milieu, au début, juste à la fin. Il n'y a pas de souci. Le but du jeu, c'est vraiment de partager nos opinions sur les différents sujets. Donc je pense qu'on était pas mal. Voilà. Je vous dis bonne soirée à tous. Et à demain pour un nouveau live. Chouchou! Bonne soirée à tous. Et le raid, oui, je n'oublie pas le raid, attention. Le papier. Allez, bonne soirée à tous, les amis.